Votre attention, chers spectateurs. Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de fumer en dehors des zones prévues à cet effet. Merci de votre compréhension.
Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée, vraiment. Les conditions sont parfaites. Un stade magnifique qui a de nouveau fait le plein. Mais ce n'est pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans cette tribune. Ce stade est superbe. C'est émouvant de se retrouver là. Voici maintenant la composition. Ça, c'est un duel qui ne manquera pas d'intérêt vu la qualité des deux équipes. Oui, et vu que c'est un match amical, on peut espérer voir les joueurs tenter des gestes un peu improbables. Ou les managers essayer des nouvelles choses, pourquoi pas. Ça devrait être un match ouvert et agréable. Et le match est donc lancé. Marquinhos. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller, selon vous? Eh bien, pour bien attaquer, il faut bien défendre. Et pour bien défendre, il faut un bon gardien, bien sûr. Et là, il s'en servit avec David De Gea. C'est un vrai mieux. Oui, s'il est en forme aujourd'hui, en plus, il peut faire des étincelles. Vitinha. Et maintenant, Marquinhos. Vitinha. Et voici Marquinhos. Et voici Carlos Soler. Renato Sanchez. Vitinha. Et il ne résiste pas. Ballon perdu. Maintenant, le centre de la tête. Et oui, le but. Il se savait attendu. Il répond présent. C'est clair qu'il lui a pas fallu longtemps pour démontrer encore tout son talent. Un centre parfait, une tête réussie, c'est simple comme ça le foot. C'est bien joué ça, super timing, on le sent à l'heure et son jet ballon aérien. Après 10 minutes de jeu, le numéro 7. On attendait un choc spectaculaire, on n'est pas déçu. À droite. Non, ça manque d'application. Marquinhos. Marquinhos qui récupère ce ballon. Il y avait mieux à faire là. Le contre était super bien amorcé. Ça avait suivi. Dommage. Attention la frappe! Et pourtant, il avait été parfaitement servi. C'est beau la verticalité, comme vous dites. Avec un peu plus de réussite, ça aurait été parfait. Renato Sanchez. Le Paris Saint-Germain qui mène toujours 1-0 et qui contrôle le ballon plutôt tranquillement. Vitinha. Messi. Il joue sur sa gauche. Et maintenant Marquinhos. Toujours un petit but d'écart entre les deux équipes. Ça fait donc 1-0. Marquinhos. Vitinha. Hakimi, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Avec Danilo Pereira. Et voici Carlos Soler. Renato Sanchez. Vitinha. Bruno Fernandes qui est récompensé de son pressing.
Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Mais c'est facile, c'est trop facile à lire pour les défenseurs. Ça joue à la babane, il m'énerve là. Il allonge le jeu. Le jeu repart vers la droite. On joue sur l'aile, il est servi. Rien à dire, c'était propre. Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Il n'y avait malheureusement pas la place là. La surface était surpeuplée. Hakimi. Il récupère le ballon. Ça peut être extrêmement dangereux. C'est récupéré facilement. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Sancho. Bonne course, côté droit. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Peut-être une occasion pour Messi. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Wan-Bissaka. Il tire. Et le cadre se dérobe largement. Dans la profondeur, Sancho, Sabitzer. Oh, quel geste! Ouais, c'est bien battu, ballon récupéré. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Ça joue long, le bon dribble, bien récupéré sur ce duel. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Les joueurs se dirigent vers les vestiaires. Et merci d'accueillir nos joueurs de Paris Saint-Germain. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Un but d'avance, ça ouvre des perspectives. Ce sera une touche. Danilo Pereira. Et voici Carlos Soler. Vitinha. Hakimi. Vitinha. Et voici Renato Sanchez. Il tente de la jouer dans l'espace. Oui, il peut frapper là. La parade, magnifique. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Premier corner dans cette rencontre. Anthony. Ça ne donne rien et c'est reparti dans l'autre sens. Oui, ça peut faire mal. Marquinhos.
Hakimi. Vitinha. Voici Renato Sanchez. Ça joue à gauche. Et il a raison d'essayer. Et voici Marquinhos. C'est sorti en 6 mètres. Marquinhos. Hakimi. Oh, Messi. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Le coup franc pour Manchester United. Le nombre de spectateurs pour ce match, 70 987. Bien servi. Wan-Bissaka. Attention, ça peut aller très vite. Sancho. Il tente sa chance. Oh, mais quelle parade! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Nuno Mendes. Attention, ça peut aller vite, côté gauche. Dégagement. Wan-Bissaka. C'est joué long. Ça sent la frappe. Ça peut être dangereux. La passe était parfaite. Dommage. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'ils se réveillent là. Corner. Ce sera leur deuxième aujourd'hui. Et un seul corner à l'actif de leurs adversaires. Au tour du gardien de jouer. Danilo Pereira. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Quand on a autant d'occasions, on n'a pas le droit de mener qu'un zéro. Renato Sanchez. On est dans le dernier quart d'heure. Voici Renato Sanchez. Marquinhos. Vitinha. Carlos Soler. Et maintenant Marquinhos. Il relance côté droit. Joli geste. Le coup franc pour le Paris Saint-Germain. Pas beaucoup d'angle pour frapper ce coup franc là. C'est dégagé, loin devant. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille. Il est passé. L'horloge tourne et la frustration risque de monter. Carlos Soler. Nuno Mendes. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. Ça passera sur le côté. Vitinha.
Renato Sanchez. Il la remet. Bien servi. Il tire. Bien, bonne temps intervention. Additionnel, une minute. Voilà une bonne occasion de contre. Avec Rashford. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Réalisation l'essentiel avec la plus petite démarche. Le plus important, c'est que la victoire est au bout. Mbappé qui a été élu homme du match. Et vu sa prestation, c'est tout sauf une surprise. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de bien vouloir prendre connaissance du communiqué envoyé par la police et qui s'affiche actuellement sur l'écran géant. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Le stade est plein ou quasiment plein. J'imagine que vous êtes très nombreux devant votre écran pour suivre cette rencontre. C'est vrai que niveau casting, on peut difficilement faire mieux. Voilà deux superbes équipes. On espère forcément du beau jeu maintenant. On va voir si les entraîneurs tentent un peu des coups en donnant du temps de jeu à des jeunes, par exemple. Ça peut rajouter un peu de piquant. C'est ce que je ferai, moi. Et le match est donc lancé. Eric Garcia. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre ? Peut-être Jordi Alba. Il est rapide comme le vent, alors forcément son équipe le pousse à monter et il le fait bien. Oui, c'est bien possible. Il est une base indispensable à son équipe. C'était chaud. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Il n'y avait malheureusement pas la place là. La surface était surpeuplée. Oh, Lewandowski. Un long ballon vers l'avant. Hakimi.
Danilo Pereira. Il choisit le côté gauche. Bon, bah, on est toujours à zéro tir. On peut pas dire que c'est du football champagne jusqu'ici. Voici Renato Sanchez. Carlos Soler. À droite. Il cherche la profondeur. C'est centré dans l'axe. Et danger écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera un corner. Premier corner dans cette rencontre. Des deux points. Renato Sanchez. Il relance côté droit. Il centre. Attention. Un peu d'oxygène pour sa défense. Le jeu repart vers la droite. Attention au contre. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Marcos Alonso. Le Paris Saint-Germain a décidé de mettre le pied sur le ballon, on dirait. C'est pas faux. Vous savez, la clé pour avoir la possession, ce n'est pas tellement d'avoir des joueurs très techniques, mais surtout qu'ils seront disponibles et qu'ils gèrent bien la pression de l'adversaire. Nuno Mendes. Dans la profondeur. Oui, la bonne course. Le bon dribble. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Jordi Alba. On joue sur l'aile, il est servi. Et ils vont effectuer cette touche. Eric Garcia. Dans la profondeur, bien vu. Sur la gauche. Mbappé. Mbappé. La frappe. Ah, il a essayé, bien joué. Oh, le coup de tête. Oh, pas de chance sur ce coup. Danilo Pereira. Il joue sur sa gauche. Il s'est fait prendre sur un ballon anodin. Ça joue à gauche. Ça peut être extrêmement dangereux. Sergi Roberto. Ah, c'est dommage. Il partit bien, ce contre. Vitinha. Il change le jeu. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Le Paris Saint-Germain qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer sous ce rythme-là. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher. Mbappé ! Mais c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Eh ben, dis donc, c'était chaud.
Koundé. Ferran Torres. Ça joue bien, côté gauche, il faut insister. Et il préfère jouer avec son gardien. Il écarte sur l'aile. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Marquinhos. Nuno Mendes. Carlos Soler. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Et bon centre dans la surface. C'est joué long, c'est dangereux. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Hakimi. Carlos Soler. Messi ! Il relance côté droit. C'est pas mal, ça. Allez, jusqu'au bout. C'est pas fini. Il centre dans la... Une autre chance. Le nombre de spectateurs... Il était bon, ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. Il y avait du monde dans la surface, là. C'est une belle occasion. Le Paris Saint-Germain va tirer son deuxième corner dans cette rencontre, alors que leurs adversaires... Il met la tête ! Ça s'est joué à rien ! Ah, c'est vrai que c'était chaud. C'est un grand manque de réussite. Dans ce match. Le jeu repart vers la droite. Renato Sanchez. Voici Danilo Pereira. Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Quand on a autant d'occasions, on n'a pas le droit de mener qu'un zéro. Et ça peut partir en contre. Gavi. C'est osé. Ce contre peut très bien aller au bout. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Jordi Alba. Ansu Fati. La passe dans la profondeur. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on! Et à ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si? Exact. Attention, ça peut aller très vite. Gavi. Et il cède sous la pression. Hakimi. Ça joue long. Oh, attention! Il frappe. Et oui, but. Oh, ce but au meilleur des moments possibles. Tout part de ce ballon repris au milieu de terrain et après c'est allé très très vite. Voilà une occasion parfaitement exploitée. Et c'est donc un changement. Mais il a beaucoup donné dans ce match et c'est bien normal de lui permettre de souffler. 76 minutes de jeu. C'est reparti sur ce score. Tout ça. Changement de profondeur.
Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Sans se poser de questions. Pedri qui est récompensé de son pressing. Voilà un marquage très agressif. Oui, ben il a déjà fait le coup de passer dans le dos. Alors forcément, il se méfie maintenant. Il remporte son duel. À droite, Hakimi. Ça passe, il tire. Ils sont passés tout près du 3-0. Aïe, 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 ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter 3 buts de retard. Oh, il espérait ce ballon. Il relance, côté droit. Il faut que ça va partir vite. Sur l'aile gauche, et il a du soutien. Il y a peut-être un coup à jouer. Et le centre. Il n'a pas eu le temps de se mettre en position de frappe. Renato Sanchez. Carlos Soler. Il choisit le côté gauche. Temps additionnel, 3 minutes. Il met le pied, ballon récupéré. Hakimi. Il continue. La tentative. Et le cadre se dérobe largement. C'est joué long. Il a du champ sur le côté. Il était vraiment propre ce tacle. Et il est passé. Oh, le bon ballon. Ferran Torres. C'est terminé. C'est terminé. Sur cette ultime occasion, ils s'imposent et peuvent fêter ce magnifique succès avec leurs supporters. Le talent fait toujours la différence. Que c'est bon d'en avoir une nouvelle preuve aujourd'hui. Messi qui reçoit le trophée d'homme du match. Bravo, c'est mérité. Alors dites-moi Darren, qu'avez-vous pensé de ce match? Ah mais vous savez que j'aime le football offensif. Donc là, je ne peux qu'être heureux. Moi j'aime lorsqu'on utilise les ailes comme ça pour étirer l'équipe adverse. Il faut dire, ça a bien marché. Et on est malheureusement obligé de se quitter maintenant Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous et à très bientôt. C'est toujours un bonheur.